même, l'équipe des astrovoyageurs extrêmes se retrouve dans l'île de la Réunion. L'Observatoire des MAC a vu le jour en 1991 et le trentenaire a été fêté donc l'année dernière. Nous sommes très heureux de venir nous rendre à l'Observatoire. Peut-être parmi vous, des personnes sont-elles venues et ont profité du matériel. Savez-vous comment l'idée a germé de concevoir cet observatoire ici au MAC? Eh bien tout simplement, lors du passage de la comète de Halley, souvenez-vous, en 1986. Cet observatoire est donc situé à 1000 mètres environ, dans les hauts de la commune de Saint-Louis. Les travaux ont débuté assez rapidement, en octobre 1990, et se sont achevés moins d'un an après, en septembre 1991. Le premier objectif de cet observatoire est de développer la culture scientifique. En 2011, l'Institut de mécanique céleste installe un télescope de 600 et en 2016, le CNES installe un télescope robotique de 180 mm. Depuis, l'Agora, l'association de gestion de l'Observatoire Réunionnais d'Astronomie, gère l'Observatoire. Le parc chromosphère, vous avez un filtre, le filtre solaire, vous l'avez utilisé sur aussi. On fait un filtre, une sortie ici pour regarder dedans, on l'utilisera ce soir si jamais il fait beau. Une sortie à peine. Et une sortie à peine. Le deuxième objectif des MAC est de favoriser le tourisme scientifique. Des parcours diurnes sont organisés avec l'utilisation de petits planétariums, une salle d'exposition et une salle avec des maquettes, des cadrans solaires et divers instruments. Et bien entendu, une observation du Soleil. Nous avons eu de la chance de rencontrer Valérie Denoux et Christian Bull, qui se trouvait juste avant nous à l'Observatoire des MAC pour animer un stage de formation à l'utilisation du spectro-héliographe élaboré fin 2020 et baptisé Solex, à ne pas confondre bien entendu avec le fameux deux roues des années 60. Cet instrument efficace permet donc d'obtenir des images comme celles que vous pourriez produire avec un appareillage beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux, comme par exemple un télescope solaire, voire un coronographe.
je ne fais pas qu'à comprendre ce qu'a vu qu'on s'y pas ni problème. Avant de monter ici à l'Observatoire des Mac, nous avons passé quelques jours dans la commune de Saint-Pierre, en bord de mer. Nous avons réussi à capter le rayon vert. Nous avons été très heureux de pouvoir le capter parce que, comme vous le savez, à cette latitude, le soleil, on a l'impression qu'il tombe directement dans l'eau, si j'ose dire, par rapport à nos latitudes en France, en Europe, où le coucher de soleil est dans une vitesse moindre. Bon, nous sommes très heureux, nous avons réussi à capter ce rayon vert tout à l'horizon maritime. Et nous avons pu assister à un ballet de baleines, si j'ose dire. Il y avait toute une famille dans le fond et on a pu les voir. On a pu également les enregistrer dans le boîtier photographique de Jérôme. Nous en sommes également très très contents. Avec vous ce rêve que l'on a tous lorsqu'on regarde les étoiles.
bam bam. Aurélie vient sur tam tam, tam tam, comme fini bam bam. Aurélie vient sur tam tam. Il se l'écho devant, se l'écho derrière. Il tourne, il tourne. Il met son corps devant, met son corps derrière. Il tourne, il tourne. Il se l'écho devant, se l'écho derrière. Il tourne, il tourne. Il met son corps devant, met son corps derrière. Il tourne, il tourne. Laisse la mélange. Voilà, donc c'était la mission Astro Voyageur 2022. On va terminer le film comme ça, d'ailleurs. Voilà, donc on vous dit à la prochaine pour une autre émission. N'hésitez pas. C'était pas mal, c'était commercial. Oui, très bien.